Bonjour, je suis au centre des sports d'hiver de Pékin où de jeunes étrangers et chinois vont tester aujourd'hui deux d'entre eux, le curling et le hockey sur glace. Ça promet. L'évolution phénoménale des sports d'hiver en Chine passe par de nombreuses compétitions organisées ça et là. Qui dit compète dit victoire, victoire, récompense. Eh bien voici parmi toutes celles remportées par des jeunes athlètes qui s'entraînent ici même. Alors je vous présente notre ami Roger Lang qui vient du Congo, étudiant à Pékin. Ouais, ouais. Et tu vas, comme d'autres, essayer des sports d'hiver. Ouais, ouais, ouais. Le curling, t'en as déjà fait? Non, c'est ma première fois. Il n'y a pas la neige au Congo, il n'y a pas la glace. Il n'y a pas de neige au Congo? Hein, j'aurais cru pourtant. Bon, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Ouais, j'aime le foot. Ouais. Ouais. Et puis le basket, mais ça c'est ma première fois. Ça va changer là. Élément indispensable pour le curling, le balai, tu verras. On essaye? Ouais, ouais, un peu. Allez, on y va. Ok. Allez, Roger! Ah bah ouais alors. Je viens de rencontrer un autre francophone, Abdou, qui vient de Tunisie. Tu es étudiant à Pékin? Non, je travaille dans une maison d'édition. Super, et comment est la vie ici pour toi? Génial. Bon, un petit mot pour les Chinois, un petit mot pour les Tunisiens. Bonne chance aux Jeux Olympiques et salut la Tunisie. Voilà, les amis, la famille. Les amis, la famille, oui. C'est la première fois que tu fais du curling? Oui, c'est ma première. Ça va être super. Allez. Merci. Eh bien, les Jeux Olympiques Beijing 2022, dans quelques jours, c'est parti! Avec l'aide d'entraîneurs étrangers hautement qualifiés, la Chine, depuis quelques années, a fait de grands progrès en hockey sur glace. Et elle sera bien présente aux prochains Jeux Olympiques. En ce qui concerne les espoirs de l'Afrique, je les ai trouvés. Voici Donatien du Rwanda et Roger Lang. Alors les garçons, vous savez que tous les espoirs de l'Afrique sont sur vous. Hein. Vous devez donner une bonne image au hockey sur glace. C'est la première fois que vous faites du patin? C'est la première fois que j'essaie ça. C'est très difficile de même me tenir debout. Oui. Ah oui. Mais tu es courageux. Ah oui, je suis courageux. Qu'est-ce que tu fais? Tu es étudiant? Ah oui, je viens de terminer mes études de doctorat à l'Université de communication de Chine. Bon, Roger, ça va? Pas trop peur? Ouais, un peu peur, mais on va faire avec, quoi. Ouais, vous allez. On va vous regarder. Moi, le premier d'ailleurs, je vais vous regarder en train de faire votre premier cours de hockey sur glace. Ouais, c'est une bonne expérience qu'on va essayer un peu de. C'est cool, ici. Vous ne blessez pas, vous avez des protections, ça va aller. Centre de gravité légèrement en avant, pas en arrière. Hein. Et puis relax petit à petit, ça va rentrer, ça va aller mieux. Allez bien, allez bien. Allez vas-y. Allez vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, si tu me fais pas tomber, c'est bien. Oh ya ya, voilà. Super, ouais. Allez, on est reparti les gars. Allez, on y va. Alors un peu penché en avant comme ça, allez, on y va. Voilà. Penche-toi un peu en avant, voilà, tu tomberas moins en arrière comme ça. Voilà, voilà, relax, voilà. Allez, pour la famille, pour les amis, on va faire une belle photo. Attention, allez, parti, ouais! J'ai trouvé Chun, l'un des leaders de l'équipe de Pékin. Il est grand, hein? Bon, il y a les patins quand même, hein? Mirao et Jiao Beijing. Je vais maintenant tester un peu la glace, pour mon équipement, pour essayer. Okay. Allons-y, essayons. Waouh! Ok, tu me montres, hein? Allez, on y va. Sondui, tu. Kan le man, ya. Tu, kai ya, tu me. Ok, donc. Avec les principaux protagonistes de cette sympathique petite émission, nous vous rappelons que les Jeux Olympiques Beijing 2022 vont être un grand succès. Ils commencent bientôt. On adore les sports d'hiver. Et on dit tous, allez, Beijing !